Bonjour mademoiselle, alors que puis-je faire pour vous? Plutôt, la meuf elle est pas du tout voyante. C'est pas comme si elle avait un gilet fluo, enfin on la voit pas plus qu'une autre. Non, Jessica, madame est une bohémienne, elle lit l'avenir. Ah, vous lisez l'avenir? C'est bien ça, c'est un journal qui est en difficulté, il faut l'aider. Non, Jessica, madame est une cartome ancienne. Ancienne, ancienne, c'est pas parce qu'elle a l'air d'un vieux trave qu'il faut lui dire en face. L'écoutez pas, moi je le sais bien que vous êtes jeune, c'est juste la moustache qui vous vieillit un peu. Moi je trouve ça très joli. Ben voilà, madame la cartome ancienne, en fait on vient vous voir parce qu'on a des petites questions qui nous turent le bit un peu à propos de notre avenir. Moi je voudrais en savoir plus sur l'amour, parce que depuis que Kevin a gagné au loto, il est parti. Moi j'aimerais bien savoir un peu sur l'argent parce que Jason il en a jamais. Oh, Jessica, c'est un esprit. Clito, c'est un chat, calme-toi. Oh, oui, oui, oui. Elle s'appelle comment, votre chatte? Elle s'appelle Kitty. Oh, comme ma grand-mère? Ah, je le savais. Waouh. Et son grand-père, il s'appelait comment? Il s'appelait Léon. Je le savais aussi, Léon. Waouh. Si, quand je pense qu'il y en a qui croient que c'est de l'arnaque... Et non. En fait, votre truc, c'est un peu le Skype des morts? Oui. Et donc là, on est en communication avec mon papy? C'est ça, Léon. Oui. Et comment on fait? Laissez un message. Coucou papy, c'est Glitterine. Tu peux dire coucou à mon papy? Coucou. Écoute, je t'appelais comme ça pour prendre un peu de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Nous, on s'éclate plutôt pas mal. Ouais, on s'amuse super bien. Écoute, je voulais te poser une petite question comme ça, blic-ploc. Figure-toi que je n'ai pas retrouvé le petit pécule dont tu ne m'avais pas parlé. Ce qu'elle veut dire, c'est il est où le pognon? Donc, si jamais t'as un moment, n'hésite pas à me tenir au courant, à m'envoyer un petit message. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Mais t'as oublié de laisser ton numéro de téléphone? Ah merde. Comment est-ce qu'on fait pour rappeler? Allô? Papy? Léo? Papy? Léo? Papy? Léo? Alors, qu'est-ce que vous voyez dans la boule de cristal? Je vois... Madame, si vous êtes voyante, pourquoi vous avez une sonnette chez vous? Ouais. Pour quand je suis absente. Ah. Ouais. Vous voulez pas dire des trucs que vous sacheriez, comme ça, juste pour voir? Vous aimez passer du bon temps et profiter de la vie. Plus jeune, vous avez été enfant. Si, c'est trop vrai. Vous pleurez quand vous avez mal. Comment elle sait ça? Vous êtes écervelé, vous réfléchissez pas du tout et vous êtes trop émotionnel. Pfti, c'est dingue, Clito, c'est trop toi. C'est vrai. Elle a vraiment un don, hein? Mais moi aussi j'ai un don. Je sais mettre le bout de ma langue sur mon nez. Comme vous. Oh, tu le fais bien. Moi, je sais siffler la brabançonne avec mon cul. Vous voulez que je vous montre? Alors, mademoiselle, est-ce que vous vous êtes déjà fait tirer? Pas plus tard que ce matin. Les cartes, je voulais dire. Ah non, et pour le prix qu'on paye, c'est quand même pas pour venir jouer à la crapette. Bon, alors, votre signe astrologique? Moi, je suis vachette attendant taureau. Prenez une carte. Et maintenant, dites-moi laquelle est-ce? Ah ben non, mais ça, c'est pas du jeu. Si je vous la dis, vous allez la retrouver hyper facilement. Mais si, Clito, le but, c'est quand même de prévenir l'avenir. Il faut qu'elle voit ta carte. Non. Remets-la dans le paquet. Non, je ne montrerai rien du tout. Tu sais, si elle prévoit vraiment l'avenir, elle saura. Suivez bien le pendule, les filles. T'arrives à le suivre avec tes yeux, toi, Clito? Ah ben oui, bien sûr. Mais avec quel œil? Ah ben ça, je sais pas. Alors, je vois une personne proche de vous. Ah ben, je me demande bien qui c'est. Et cette personne est en grande difficulté. Ah ben, il faut l'aider, qu'est-ce qu'elle a? Je vois que cette personne est en train d'étouffer, de suffoquer. Ah, mais ça doit être une histoire de couple, ça arrive souvent, ça. Cette personne a besoin de votre aide. Ah ben, je suis là, je peux l'aider. Mais putain, arrête, tu vois bien que la madame, elle dit qu'il faut aider quelqu'un. Je vois qu'il est trop tard, vous ne pouvez plus rien pour elle. Oh non, plutôt tu te rends compte? Oh ben voilà, dès qu'il faut aider quelqu'un, elle fait la morte. Finigueuse. Bravo les femmes!